tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter à mon avis les 3 meilleurs livres de productivité que j'ai eu à lire dans ma vie. Alors, beaucoup de gens me demandent Justin parce que cette vidéo, je la fais en une réponse des personnes, de mes abonnés et surtout des membres de mes équipes un peu partout en Afrique qui m'ont demandé Justin, comment tu réussis à gérer tes équipes un peu partout en Afrique, dans différents pays? Comment j'arrive à gérer? Pour ceux qui savent, je gère 2 chaînes YouTube avec 2 thématiques totalement différentes. Je gère au moins 12 pages Facebook, 2 pages Instagram, 1 page TikTok. Je gère 3 pages LinkedIn. Avec tout ça, il faut gérer la famille, il faut gérer beaucoup de choses, des business. Et tous les soirs, je suis sur Zoom du lundi au dimanche. Je suis sur Zoom avec des formations spécifiques, avec des coachings dans différents domaines, dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Dans beaucoup de domaines, tous les soirs, je suis sur Zoom. Il y a des gens qui disent que Justin, où est-ce que tu trouves le temps pour toi-même? Comment tu t'arranges? Comment tu t'organises? Comment tu arrives à réussir tout ça? C'est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Et les 3 livres que je vais vous présenter, tout simplement, si vous lisez et vous les mettez en pratique, ça va vous aider beaucoup, beaucoup dans vos organisations, dans votre manière de vous organiser. Alors, moi, je me présente rapidement, c'est Justin, je suis architecte d'abord, donc ça étonne beaucoup de personnes. Je suis architecte à la base, j'ai un cabinet d'architecture et j'ai une chaîne YouTube également dans le domaine de l'architecture qui s'appelle Justin Architecte. Je suis déjà à plus de 80 000 abonnés, donc c'est une chaîne également très très active et je développe beaucoup d'activités comme ça. Donc j'ai créé Vivre et Réussir en Afrique, hein. Surtout cette année, mon objectif c'est d'accompagner des jeunes Africains, de gagner au moins, en tout cas pour moi, cette année-ci, c'est au moins 6000 personnes qui vont réussir sur Internet grâce aux formations, aux accompagnements que je fais tous les soirs sur Zoom pour des personnes que j'accompagne personnellement. Donc, si vous également, vous voulez gagner votre vie sur Internet comme moi je l'ai fait, vous pouvez rejoindre un programme d'accompagnement. Alors, je ne prends pas beaucoup de personnes généralement, je prends que très peu de personnes et un, 2 mois, je prends encore une autre vague. C'est comme ça que je procède. Donc, si ça vous intéresse, allez-y voir dans la description de cette vidéo. Vous allez voir le programme dans la description. Mon équipe et moi également, mettons à votre disposition une agence d'accompagnement, une agence pour augmenter votre chiffre d'affaires, une agence SMA. Donc, si vous également, vous avez un business et vous avez du mal à gagner de l'argent avec votre business existant déjà, et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires grâce à Internet, ça également, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui viennent se former, il y a des gens qui n'ont pas de temps. Eux, ils disent que Justin, nous, on a notre business, on te confie et toi, tu essaies. Donc, c'est comme ça que mon équipe et moi, on a constitué une équipe SMMA, donc Social Media Marketing Agency, qui est là également. Donc, je vous mettrai les contacts de notre SMMA qui vous accompagne directement dans votre projet, qui vous aide à développer votre chiffre d'affaires directement. Nous mettons également, pour finir, c'est trop de publicité, mais il faut que je vous dise ça parce qu'il y a des gens qui me demandent ça. Tous ceux qui veulent acheter des terrains de façon échelonnée, c'est-à-dire que acheter des terrains par étapes, écrivez-nous également. Alors, je ne vous en dis pas plus, regardez juste dans la description de la vidéo, j'ai mis tous les liens là-bas, que ce soit pour des accompagnements, que ce soit pour le développement de votre chiffre d'affaires, que ce soit pour l'achat des terrains de façon échelonnée et tous les cadeaux de bienvenue. Juste à chaque vidéo, je laisse des liens, donc regardez les liens et je mets tout là-bas. Donc, pour raccourcir la vidéo et on va revenir rapidement ici. Alors, le premier livre que je vais vous présenter ici, c'est « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. C'est un livre qui, en 2020, je l'ai découvert en 2020, « Avaler le crapaud ». Et ce livre a complètement changé ma manière de travailler. Moi, je me supposais, parce que moi, je me disais que j'étais quelqu'un, non, que je sais tout ce que je fais. Donc, quand je commence directement, je fais. Après, je commence, avant, j'étais une personne, je travaille, mais je laisse beaucoup de choses. Je commence une chose, mais je ne finis pas. J'avais beaucoup de projets comme ça que parfois, par oubli, il disait, Justin, mais tu te rappelles? Ah oui, c'est vrai. Et j'essaye de me rattraper. Et ça, c'était pas bien. Et j'avais beaucoup de problèmes avec des clients parce que voilà, en tant qu'architecte, j'avais des clients par-ci, par-là, des chantiers. Et j'étais, il y avait une désorganisation totale, quoi. Mais lorsque j'ai lu ce livre, j'ai retenu telle chose de ce livre. Réfléchissez toujours sur papier. Voilà pourquoi j'ai toujours un bloc-notes. Toujours. Chaque année, je vous ai présenté, chaque année, j'ai un bloc-notes depuis 2020,
20, j'ai chaque année un bloc-notes où j'écris tout. Elle dit que ça m'a permis vraiment de me structurer. Quoi. Quand tu veux faire quelque chose, Brian Tracy explique dans son livre qu'il faut, en tout cas la quinquennance de ce livre, c'est réfléchissez sur papier. Ne réfléchissez jamais. Non. Si vous voulez faire quelque chose, asseyez-vous et réfléchissez sur papier. Commencez à dessiner ce que vous voulez faire. Vous voulez faire ça, vous voulez faire ça. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai retirées de ce livre-là. Avaler le crapaud, je vous invite vous également à aller lire. Il a développé beaucoup de principes, mais vraiment un principe très fondamental ici, c'est réfléchissez sur papier. Le deuxième livre, c'est Gary Keller et Jay Papansen. Alors, très bon livre, ça c'est The One Thing, une chose à la fois. Ici, Gary Keller et Jay, ils sont en train de nous dire que les pros, les gens qui font beaucoup de choses en peu de temps, ce ne sont pas des choses qui font beaucoup de choses à la fois. Une fois que j'avais fini le truc de Brian Tracy, avaler le crapaud, j'ai commencé à m'organiser quand même. Mais il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à bien faire en fait. Mais quand je suis venu associer ces livres de One Thing, ça m'a permis de ne pas brouiller toutes les choses comme ça à la fois. Non, de One Thing, ça dit qu'aller à l'essentiel. Vous commencez, vous choisissez une chose et vous partez jusqu'au bout. Le multitasking, ça dit que le fait de faire plusieurs choses n'a jamais été productif. Ça dit que je me suis rendu compte effectivement que, ok, je faisais beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez voir que je prends une journée. Je veux, par exemple, cette vidéo, je suis en train de faire cette vidéo un lundi. Je vais vous dire concrètement comment moi j'ai mis ça en application dans ma journée. Dans ma journée, je me suis dit que le lundi, je vais me concentrer à faire les vidéos de toute la semaine. Donc, toute la semaine, vous savez que je dois faire 3 vidéos sur vivre et réussir en Afrique. Je dois faire 2 vidéos sur ma chaîne Justin Architecte. Je dois faire, dans la semaine, je dois faire au moins 14 vidéos sur TikTok et les mêmes choses vont sur Instagram. Donc, c'est-à-dire que toutes les vidéos de mes différents réseaux sociaux, je me concentre à produire tout ça le lundi. Donc, actuellement, il est 11h30. Donc, toute la journée, je me concentre jusqu'à 18h, je me concentre à tourner des vidéos seulement pour mes réseaux sociaux. Donc, toute la semaine. Elle dit que the only thing, si je dois, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est pas chaque jour que je fais des vidéos. Voyez un peu ce que je veux dire. C'est une manière de s'organiser. Quand j'ai lu ça, je mets en application directement dans ma manière de travailler. Et les mardis, c'est autre jour. Les mardis, pour ceux qui sont avec Vivre et Réussir en Afrique, savent, les mardis, ce sont des business. C'est-à-dire que c'est là maintenant que j'appelle mes différents partenaires sur les différents business qu'on a, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'agriculture, dans tous les business. Je prends, elle dit que tous mes partenaires, j'ai une rencontre avec elles. Le mercredi, c'est des rendez-vous de mes clients et de mes abonnés qui viennent me voir au bureau. Là, je suis à la maison. Mais je suis à la maison pour tourner des vidéos parce que c'est beaucoup plus calme. Mais les mercredis, donc les lundis, je ne suis pas au bureau. Ceux qui vont au bureau le lundi ne me trouvent pas parce que le lundi, je me concentre à produire uniquement du contenu. Les mercredis, quand j'arrive au bureau, c'est uniquement des rendez-vous. Si tu n'as pas un rendez-vous avec moi, le mercredi, ce n'est pas possible de me retrouver dans une autre journée. Le mercredi, tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes qui veulent me voir, ils savent que c'est le mercredi. Si ce n'est pas le mercredi, tu ne me trouves pas. Les jeudis, je suis sur mes chantiers. Donc, en fait, je suis en train de vous dire le one thing, en fait. Ce n'est pas faire beaucoup de choses à la fois, non. Faites une chose à la fois, faites-le une fois et faites-le très bien. Voilà, ce livre-là est très, très puissant. Je vous recommande à lire et vous allez voir comment vous allez, vous également, améliorer votre productivité. Le dernier livre que je l'ai découvert également en 2021, mais je ne me rappelle pas très, mais c'est fin d'année 2020 comme ça. Deep Work, ça s'appelle Deep Work. Waouh! Quand j'ai lu ce livre, c'est pour cela beaucoup de personnes. J'ai lu ce livre, dès que j'avais fini de lire ce livre, ma productivité a encore augmenté parce que il y a des gens qui me contactent souvent, ils se rendent compte que je n'ai pas trop le temps disponible. C'est vrai, parce que quand tu lis ce livre de Deep Work, tu te rends compte que la distraction, même là, vous voyez que là, quand je suis en train de travailler comme ça, j'ai fermé. Là, je suis dans le salon de ma maison. J'ai fermé la porte, la ménagère est dehors là-bas. Rien, elle dit que là, personne ne me dérange. Je n'ai pas mon téléphone autour de moi ici, je n'ai pas de téléphone. Il n'y a qu'un ordinateur qui est là devant moi que vous ne voyez pas, c'est juste là.
j'ai un ordinateur, j'ai ma caméra qui est devant moi et je fais des vidéos. Je vais pondre d'abord toutes les vidéos. C'est-à-dire que quand je commence à travailler, je vais travailler 4 heures sans interruption. Je vais prendre une pause de 30 minutes, je reviens 4 heures sans interruption. Le deep work, c'est-à-dire que travailler en profondeur. Travailler de façon profonde. Si j'arrive pour mes rendez-vous au bureau, dès que le téléphone n'est pas avec moi. C'est-à-dire que toutes les interruptions, tout ce qui va me couper ainsi de suite, là, je coupe tout. Parfois, vous pouvez m'écrire, mais je réponds peut-être demain. Pas parce que j'avais le téléphone et que j'ai refusé de te répondre. Non, c'est parce que le téléphone n'était pas avec moi. J'ai coupé tout, j'ai barricadé mon cerveau. C'est-à-dire que si je veux faire telle chose, je suis concentré à le faire bien, à le finir, passer à une autre chose, ainsi de suite. C'est de travailler en profondeur, fuir la superficialité. Les amis, voici les 3 livres que j'ai à vous présenter. Dites-moi si vous voulez que je développe, parce qu'il y a d'autres concepts que l'auteur développe dans ces livres-là que je n'ai pas forcément le temps. Je ne peux pas faire un résumé de 3 livres, même un seul livre. Même si je prends ça, ça peut, si je fais un résumé, vous voyez, non. Donc, si vous voulez que j'entre un peu encore en détail et je vous développe d'autres concepts, dites-moi dans la description et puis je vais faire des vidéos de productivité. En fait, des vidéos de motivation et de productivité, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui vont vous amener à vous surpasser, à faire beaucoup de choses en peu de temps. Les amis, c'est l'organisation. C'est une manière, tout est question d'organisation en fait. Vous devez vous organiser pour faire beaucoup de choses. Tant que vous n'êtes pas organisé, vous allez avoir l'impression de beaucoup travailler, de vous épuiser, mais sans résultat. Non, tout le monde a le même temps. Dan Gauthier, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, tout le monde. Les gars, on a le même temps, 24 heures, mais c'est la manière de nous organiser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.